Bonjour et bienvenue à ce 12e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va regarder comment retoucher une photo avec un ciel blanc. Les ciels blancs, c'est les ciels nuageux sans trop de structure. Ça arrive souvent dans les pays chauds et humides. Hein. Vous avez l'eau qui s'évapore, ça fait une espèce de brume. Ça vous recouvre comme ça tout. Et en fait, ça vous fait une lumière un peu pâteuse, diffusée, sans trop de saturation d'ailleurs. Hein. Vous voyez que c'est pas très saturé comme image. Alors, quand la lumière est pas là, on dit d'une manière générale qu'il faut pas faire de photos, c'est pas faux, mais si vous êtes à l'autre bout du monde, vous avez quand même envie de vous ramener des souvenirs, donc on va regarder comment traiter ce genre de photos. Alors déjà, vous voyez que cette photo, elle est exposée à droite, c'est-à-dire que j'ai fait l'exposition pour que le ciel ici soit le plus clair possible, sans être cramé, ce qui m'a permis de récupérer quand même un peu d'informations là dans les zones sombres, parce qu'autrement, ça serait beaucoup trop sombre ici à l'intérieur. Donc maintenant, comment on va travailler? Alors pareil, en RAW, forcément, si vous faites ce genre de photo en JPEG, on va voir qu'on va tellement la triturer qu'à mon avis, en JPEG, ça passera pas du tout. Donc il faut vraiment, quand vous avez ce genre de conditions, travailler en RAW pour essayer de ramener le plus d'informations possible dans la photo et essayer ensuite de récupérer ces informations-là. Alors, ce genre de photo, comment on va faire? Moi, d'une manière générale, j'aime bien travailler sur quelque chose qui est à peu près droit. Donc, je vais déjà m'occuper de la redresser un peu, hein, tant qu'à faire. On va faire le niveau en automatique. Voilà. Et puis ensuite, je vais juste redresser un peu le vertical, pas trop. Parce que j'aime bien quand ça a une petite fuite vers le haut. Voilà. Donc ça, elle est à peu près droite. Je vais travailler là-dessus. On va déjà regarder un peu les réglages généraux, hein. Donc on va essayer de récupérer déjà un peu des choses en ciel. Donc je vais baisser un peu l'exposition générale de cette photo. Je vais baisser également les hautes lumières. Vous voyez que là, j'ai des choses qui apparaissent ici au niveau du ciel. Donc ça commence à arriver. Et en fait, je vous verrai après, je vais jouer sur les couleurs pour éclaircir l'intérieur et avec un filtre radial également à l'intérieur. Donc là, je dirais le ciel, est-ce que je peux faire mieux? Je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux sur le ciel. Hein. Éventuellement, je peux faire ici un petit filtre. Ici, je baisse un peu la température volontairement pour amener un peu de bleu ici dans cette zone. Je peux également faire ici à nouveau un filtre radial dans le même ordre d'idée où je vais mettre un peu de bleu. Voilà, éventuellement baisser juste un poil les hautes lumières. Voilà, encore un peu. Voilà, bon, j'ai mon ciel qui est comme ça. Ça va à peu près, on va voir maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Alors pour ça, on va aller dans le panneau TSL. Hein, c'est lui qui va nous permettre de jouer un peu. Et on va monter un peu toutes les couleurs, sauf le bleu. Puisque le bleu, on va plutôt essayer de le descendre. Et si je descends le bleu, là, le ciel commence à apparaître. Alors pas trop, hein, parce que ça fait un bleu très très toxique. Et on voit bien le filtre radial là, il faudrait que j'aille le changer. Donc on va baisser le bleu, mais on va surtout ensuite baisser la saturation du bleu pour que ça redevienne entre guillemets normal. Ensuite on va monter tous les autres, le rouge, le orange, le jaune, le vert. Vous voyez, il y a un peu de vie qui commence à apparaître dans les arbres là. Le bleu vert, ça, il joue ici, il y en a pas mal. Là, dans cette zone-là, on a pas mal de bleu-vert. Le pourpre et le magenta, on doit en avoir un peu, mais pas trop. On va quand même le monter. Voilà. Donc là, on a monté un peu nos trucs. Le vert est peut-être un poil toxique. On va peut-être baisser un peu le vert au niveau de saturation. Voilà. Ensuite, ici, on peut augmenter la saturation de l'orange, d'accord, pour faire briller le rouge aussi. Là, c'est la zone qui est là, le jaune aussi, on peut monter un peu sa saturation, donc là ça brille déjà un peu plus, là les ors sont un peu plus sympas. Maintenant on va s'occuper du centre ici, donc ça on va prendre un grand filtre radial ici, un premier, on va en faire plusieurs. Donc voilà, j'en prends un à peu près de cette taille là, je le dessine un peu, et je dis voilà, donc cette zone là, je veux qu'elle soit un peu plus exposée. Ensuite, je vais en faire un plus ici à l'intérieur. Et ensuite, je vais encore en faire un autre carrément au centre. Donc, celui-là est terminé. J'en fais un nouveau. Ce coup-ci, entre les... Voilà.
Je vais augmenter un peu son exposition. Voilà. Je vais augmenter aussi un peu le contraste. Voilà. Et ensuite, je termine par un petit dernier pour m'occuper un peu de ce personnage-là, qui est là. J'aimerais faire ressortir un peu plus. J'augmente à nouveau un peu l'exposition, un peu le contraste. Ok, ensuite devant, là, je pense qu'on pourrait faire ressortir un peu plus les pierres. Donc là, on va prendre un filtre dégradé. On va mettre un peu plus de clarté ici. Et l'effet de la clarté, ça fait ressortir bien les pierres. On peut également s'occuper un peu de baisser l'exposition, je pense, de cette zone-là et augmenter un peu son contraste. Voilà, les pierres ressortent un peu mieux. On peut ensuite, tant qu'à faire, mettre un peu de vignettage. Ça va en plus, j'irai assombrir un peu le ciel là sur les côtés. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que je suis un peu arrivé au bout. C'est déjà un poil outrancier, le vert est quand même un poil toxique, le vert. On va encore baisser un peu sa saturation. Voilà. Quelque chose d'un peu plus naturel. Je pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Alors on va, si, on va quand même regarder un peu les détails, parce que vous voyez que là c'est pas terrible. Alors, première chose, c'est qu'on va faire un petit masquage au niveau de la netteté, parce que là la netteté est appliquée partout, c'est ça qui provoque ces espèces de motifs, ces petits points. Donc on va appliquer de la netteté uniquement sur les bords. Je suis en train d'appuyer sur Alt en même temps que je déplace le curseur pour voir l'effet de ma netteté. D'accord? Puis ensuite, il va falloir un peu mettre de la réduction de bruit, un petit poil. Alors, on peut pousser, hein, mais je ne veux pas pousser trop pour garder quand même un minimum de détails dans cette photo. Et voilà ma photo à la fin, ce que ça donne. Donc, je vous propose de faire un petit avant-après. Donc, toujours avec. Alors, celui-là, il ne me plaît pas. Je vais le terminer, celui-là. Celui-là, à mon avis, il peut aller plus haut comme ça. Et ici, on va le. Pareil, on va le prendre un peu plus comme ça. Voilà. Et là, on peut encore s'en faire un petit. On peut encore s'en faire un petit ici, là. Dans cette zone-là. Ben, j'aimerais que ça soit un peu plus bleu. Voilà, comme ça. C'est du détail, mais tant qu'à faire, hein, si on essaye de faire quelque chose avec une photo, autant travailler dans les détails. Je vais encore ajouter un peu de contraste, parce que ça peut être un peu plus contrasté, pas trop. J'aimerais bien quand même que le rouge là soit un peu plus pétant, donc je vais juste monter un peu tout ce qui est ombre. Voilà. Bon, bah là ça commence à me plaire, c'est bien. Alors un petit avant-après majuscule S, allons-y. Donc ça c'était avant, ça c'est après. Donc vous voyez qu'on a réussi quand même à me ramener un peu de vie dans la photo. C'est pas l'idéal, hein. L'idéal, ça aurait été un ciel bleu, un beau soleil. Mais bon, on a réussi au moins à rattraper un peu tout ça. Et vous voyez que le vert des arbres est resté assez cohérent et pas trop parti vers la saturation vert toxique. Donc voilà le genre de retouche qu'on peut faire sur une photo avec un ciel blanc. Donc l'idée générale, c'est essayer d'exposer la photo plutôt à droite. Essayer de travailler en RAW pour avoir le maximum de détails. Et ensuite, en fait, vous rajoutez de la luminosité et de la saturation sur certaines couleurs et vous en baissez sur l'autre, comme la saturation baissée sur le vert, la saturation baissée sur le bleu, par exemple, pour que ça ne fasse pas quelque chose de trop saturé et que ça reste à peu près naturel. Voilà, merci.